45. Notre mission avec la 9e DB et la 99e est de prendre le pont de Remagen. Si nous traversons, les dernières poches de résistance allemande s'effondreront. Désolé si des fois vous entendrez un but de feu. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis. Du suicide. Vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zeusman. Parle-en à l'aumônier parce que j'accepte que des subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé de l'abandonner ces gars à Kasrin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage! Dégage! Je bougerai pas! Je t'ai dit de dégager! Nom de Dieu! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes qu'on arriverait à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Mes hommes sont morts par ma faute. Va-t'en. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Turner n'aurait jamais baissé les bras comme ça! Turner est mort! Alors que sa mort ne soit pas vaine! Pas de sacrifice trop grand! Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice! Et ça, c'est quoi? Un certificat d'immobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros, ma femme dans mes bras, et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, dégage de là. Ah, toute la famille est réunie. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, caporal. Si Zeusman est en vie, il est de l'autre côté de ce pont. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur le Rhin. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Le convoi nous protégera pour avancer vers le pont. En avant!
tout était bon, sauf le dernier. Au début, tu disais ça, tout le début, en France, c'est normal. Mais ben, il y a rien. Contre deux quand même ils auraient pu hein. On faire le mec mais principale. Les Boches se replient. Restez planqués et ouvrez l'œil. Je savais. Quand j'ai vu que je commençais à rouler. Avec moi. On se dirige vers le vent.
équipage vont faire sauter le pont. On doit les arrêter. Arrête au rapport. Balance tout ce qu'ils ont. Faut gagner du temps. On s'occupe des charges. Très bien, je passe devant. Daniels et Stiles protégeront les ingénieurs. Ouais. Allez, on y va. Vous deux, désamorcez les charges, tue la structure principale. Les poches se replient. Restez planqués. J'aurais pu faire plus tôt, dommage. Regardez votre pion en main, je cours. Debout et en avant. On a encore du boulot. Ah. Écoutez, les avions. Les Stukas. Ils veulent bombarder le pont. Allez. C'est pas que c'est un peu ça que lance-moi la fumigène. C'est parti.
c'est quelqu'un vu que non, le porteur. Ah bah tiens voilà. Allez, prends bien cette arme, je l'adore. C'est mon chouchou. De loin, c'est sniper. Encore un coup, corps à corps, un moyen de portée, et c'est celle-là. C'est l'arme. Fait peur. Je me suis dit, oh non, il va tirer. Bah non, il a pas tiré. Petit sniper. Ça c'est juste parce que j'ai la flemme d'utiliser les munitions. Le moins de chance possible. Fumigène envoyé! Lance une grenade! Y'a plus personne! Ces zincs vont faire exploser le pont! Il faut récupérer ces canons de TCA! Daniel, Howard! Avec moi! Avancez! Vite! Je vais pousser les manteaux. Sergent, donnez-moi leur position. Voilà, beaucoup trop de recul cette arme. Il m'en faut plus. Et voilà. J'envoie une grenade. Fumigène et tir de suppression. Vite. Allemand, à découvert.
C'était une grenade. Avancez vite! Indiquez-moi où il se trouve! Excusez-moi. Balance-les, ça devrait suffire. Balance une grenade. Plus vite, j'ai des tirs de suppression. Vite. J'envoie une grenade. Rejoins les tranchées. Bouge-toi. Il faut récupérer ces canons de TCA. Le derrière les sacs de sable. J'avais vu mais... Tant que je mets dans le micro. Non. J'allais dire je vais dans le miroir. Ouais. Ça repartit pour tuer de l'avion. Protège le pont! À gauche! Tu l'as eu! Continue de tirer! Et la croix! Ouais! Bien joué! À une heure! Tire direct! Tu es doué, Agnès! Il est à gauche. Ouais, bien joué. Ils t'ont repéré, Daniel. Daniel, à droite. Ouais, bien joué. Il est à gauche. Tu l'as eu. Continue de tirer. C'est bon! Nos avions sont là! Je ne sais, je voulais pas tirer sur l'avion, je me disais. Pour mettre les bouchées d'eau, tous les portiers, tous les deux, avec moi! C'est la guerre, mon pote! Je se passe par en haut, moi je suis du coup dessus. Sergent, donnez-moi leur position. Voilà pour toi.
Oh. Ils sont en fuite. Je pouvais pas viser, je pouvais tirer. C'est marrant, entre temps j'ai fait place et j'ai eu des munitions. Beaucoup plus que ça. Allez-y! Je viens d'entrer dans l'histoire, les gars. Les premiers à franchir le Rhin. Qu'est-ce que tu regardes, Fritz? On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis? Bien compris, sergent. Très bien. Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin. Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne. Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurai pas trouvé Zeus. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération, et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'y ai vu les traces d'actes de cruauté, dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment Zussmann, avaient été transférés dans un plus petit camp à 3 heures d'ici à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'ils soient encore en vie. On dirait un camp de travail. Allez. J'ai l'impression que c'est désert. Excusez-moi, je me craquais le dos. C'est bon. Allez, viens là, mon bug. Mon bug. La sensibilité est lente, ma tête. Par la photo, ça apparaît d'un coup. Pas trouvé un petit réfugié là. Quelqu'un mort là-bas. Pas trop visité un mec vivant.
Oh. Les nazis avaient assassiné nos amis de sang-froid. Et aucun feu n'aurait pu effacer les traces de leur meurtre. Je crois bien qu'ils en savent. Ils ont la même tête. Non, non, lui il a un peu plus. Une tête un peu plus construite que celle-là. Merde. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire, c'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Il ne peut pas te marrer, moi, lui. Entouré de neige, parce que j'ai échoué. Et merde, j'arrive, Zussman. Tu vas pas mourir, mon pote. Pas ici, pas maintenant. Zussman ! Soit on va le trouver, il y aura un mec qui va essayer de l'assassiner dans un voiture à temps, je sais pas quoi. Tu m'as toujours protégé, Paul. Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Lorsque l'histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie. Et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini, les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, oh, t'y arriveras. Messieurs. Amérique, ton fils prodigue est de retour. Voilà, ça va aller. Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous ? Je suis chez moi. Et toi alors, tu vas rempiler ? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Pecno. Ouais. Quand mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago, je viendrai.
Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais quand ils nous ont fait prisonniers, ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seuls. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu ? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer, ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Et tu m'as montré comment les battre. Ceci devrait te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi. C'est la fin. Bon, on a sauvé tout le monde. Sauf dans le jeu qu'on ne sait pas d'en arriver les morts. Mais bon. Comment passer le générique ? Alors. Avec Heroic 1 sur 2, c'est bon. Et voilà, on a terminé. Il y a eu 11 épisodes de la fin, 8 épisodes, 9 épisodes. Bon. C'est la fin de cette série. J'espère que la zombie nazie. Oula. J'espère que un bon moment, J'espère que la série vous a plu. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.